Bonjour à tous, c'est Trail de la chaîne Imaginaire. On se retrouve sur XCOM 2 pour un nouvel épisode. On avait sauvé Elena Dracunova, pas Dracanova, et Pratal Mox qui s'étaient rencontrés pour un rendez-vous, interrompu par l'élu qui semble avoir, en tout cas je la vois plus, qui semble avoir disparu. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Faut pas les laisser mourir. Ni Mox ni Dracunova. Bon, les autres apparemment s'en fout. Ce qui m'embêterait quand même fortement. J'ai quand même le meilleur soldat là sur l'équipe. J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit rester sur le pont là? Ou est-ce qu'on doit descendre? Où est mon sniper? Ma snipeuse. Elle est là. On peut pas faire grand-chose. Là, on est en bord de carte. Donc, de toute manière, ma sniper, elle sert à rien. Il vaudrait mieux que je ne la positionne quelque part par là. Ou là. Là, c'est trop loin. Sinon, j'ai que du demi-couvert. Donc, on va peut-être éviter. Ah, on est vraiment au bord de carte. On va peut-être éviter de les avoir tous l'un à côté de l'autre. On va mettre Anna Ice ici. Mettre Dangan ici. On va en garder deux de l'autre côté. Je sais pas. Pas trop. Là, de toute manière, on est vraiment en bord de carte. Je vais venir là. Ok, je bouge. Je sais pas s'il y a une notion de distance dans... avec Frère Dain. Je veux pas tous les grouper parce que je sais pas. Il n'y a pas un sort de zone ou un truc dans ce genre là. Il m'embêterait beaucoup. Là, on peut descendre. On va venir là. On va mettre tout le monde en vigilance. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. Je les laisserai pas passer. J'aurais dû recharger. Donc il s'agit de Falme Valinor, sorcière du chaos. Force, surveillance, peut entrer en vigilance à la fin de son tour. Ok. Marche furtive, cette élue ne déclenche ni de tir de vigilance ni de tir réflexe. Oui, donc ça sert à rien de se mettre en vigilance. Faiblesse, les attaques à courte portée infligent plus de dégâts à cet élu. C'est pas mal parce qu'on a, on a quand même Dan Kane dans notre équipe. Faucheur. Les faucheurs infligent plus de dégâts à cet élu. C'est bizarre, c'est un peu opposé parce que ça c'est un sniper qui tire de loin. Mais elle est fragile au... Ok, donc en fait, inflige plus de dégâts. Donc elle est fragile au tir à distance par les faucheurs. Et pour tous les autres, il faut tirer à courte portée. Ok. Alors qu'est-ce que la courte portée? Ok. Il me reste encore tant à faire. La fin est proche. Oui. Mais elle est où? Elle est partie en dessous du pont? On va aller voir si elle est en dessous du pont. Elle est pas là. Ok, donc maintenant j'ai Emmerich qui est tout seul.
C'est pas terrible. Que du demi-couvert. Ah, il pourrait aller juste en bord de carte, là, près de la guitoune. En hauteur, j'ai l'impression qu'il va rien voir. Mais... il pourrait venir là aussi. Reçu, je bouge. On va essayer de les faire avancer sous le pont. Bon, la vigilance sert à rien. Donc, parce que tout le monde est plein de charge au niveau des munitions. Où est-ce que je peux te mettre, Dain? Bord de carte, tu vas pas couvrir grand chose. Là, ça m'embête, t'es juste à côté de Drakanova. Excusez-moi. Ou alors je bascule. Bascule Drakanova là et je mets Daneken à sa place. Ce qui m'embête, c'est qu'elle est isolée. Là, elle a aucune couverture. Enfin, je sais pas si ça sert à. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'autres ennemis parce que je pense que c'est déjà bien suffisant. J'ai basculé Anna ici. On sera pas beaucoup utile en protection à courte portée. Ça sert à rien la vigilance, mais on va s'y mettre quand même. Il y a d'autres ennemis. Ah, Anna. Il lui reste un point de vie. Anna est sonnée. What the fuck? Dans son état de fragilité actuelle. On dirait que l'élu a étourdi l'un de nos soldats. Nous devons envoyer quelqu'un l'aider à se remettre sur pied avant que cette créature n'ait le temps de l'attaquer. Plus qu'étourdi, à la moitié crevé. Réanimer une unité sonnée. Lorsqu'un soldat est sonné par l'attaque d'un élu, il peut être guéri si un allié se place à ses côtés et utilise gratuitement la capacité réanimation. Putain, en plus elle est bien planquée. Ouais, je crois que Drakanova peut tirer après s'être déplacé. Le problème, c'est que là, elle sera complètement à portée. On a Daneken qui pourrait aussi. Je sais pas si l'acération va marcher contre la bestiole. Néanmoins, il pourrait peut-être faire bien mal. Alors lui, il va être très très limité, il est super loin. Je vais placer trop en bord de carte. Je sais pas si ça sert à grand chose de se protéger, puisque de toute manière elle disparaît et elle réapparaît n'importe où.
Est-ce qu'elle a une arme de longue portée? Je sais pas. Manière, si elle joue sous le pont, au-dessus du pont, va falloir que je place quelqu'un là. C'est une obligation. Anna, elle est cuite. J'ai peut-être envoyé. J'ai peut-être envoyé Sid hein, pour pouvoir laisser les autres combattre. De toute façon, Sid il est trop loin. Donc en 2 tours, il sera sur elle. Il la voit, mais avec quelle. Il la voit pas. Il la voit. Putain, 24%. Donc, on l'a flashé, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ok, ça sert à rien. Comme ça c'est fait. Une frappe de lâche. Non mais je crois qu'il faut y Je aller. vais où on a besoin de moi. J'espère qu'elle peut pas tuer un Noga en un coup. 52%. Là, j'hésite à utiliser lacération. Oxy la voit là. Seize pour cent. Je sais pas si c'est une action gratuite au grappin. Une aide bien On va utile. tenter. Je sais pas si c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. 33% on prend. Ce n'est qu'une égratignure. Bon, il fait pas mal de dégâts. Toi, tu vas venir là essayer de d'aider Anna. D'accord. Je tenterais bien de lacération à courte portée, il n'y a pas mieux. Tiens, tu viens de nous mettre des coups d'épée, tu vas y goûter aussi. Ah, on est carrément à courte portée. Je ne pensais pas que ce conflit serait aussi passionnant. Vaincre l'élu. Vous me surprenez, XCOM. Cela dit, les anciens exigent votre mort à tous. Et je ne peux pas me permettre de les décevoir. Les vagues de dispersion sonique émises par ce module de stase balaient une zone immense. En d'autres termes, cette créature vient de sonner l'heure du dîner pour toutes les ombres présentes dans la ville. Vous avez tout compris. L'intégralité de la biomasse des ombres se rapproche de cette position. Alors dépêchons-nous de vous sortir de là. L'oiseau de feu est en route vers le point d'évacuation. Ne restez pas là. Ok, donc on a... On a toutes les vilaines bestioles qui se pointent vers nous. Ça c'est splendide.
Elle a une bonne position de tir. C'est la dernière qui peut jouer. On va la mettre en vigilance, hein. Au pistolet. En plus, elle se déplace rapidement. Super. Super. Putain, Dan. Oh putain. D'après ma première analyse des déplacements de ces créatures, il semblerait qu'elles attaquent de façon quasiment coordonnée. Il ne s'agirait donc pas d'automates sans cervelle, comme nous le pensions jusque-là. Envoyer les soldats pour l'extraction. Il est où pour l'extraction? Aussi intrigante là, que terrifiante. Il est là. On va peut-être longer la rue. Et essayer de traverser. Hein. Parce que de toute manière, là, c'est là où ça résonne. Donc ils vont se pointer par là. On va faire ça. Alors Dan, il doit avoir des super... Avec les flingues tous. Target neutralized. Target eliminated. Bon, déjà ça c'est fait. Il faut que je garde des actions, il faut que je les rapproche. Emmerich, il est super loin. Si je les rapproche trop, je vais faire apparaître des ombres. Enfin, de toute façon, elles vont se pointer à mon avis. On va essayer d'avancer Dan ici. Ok. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir pas mal avancer. On va faire avancer Emmerich jusque là. Bon, on a fait apparaître personne. Alors Anne, t'es bien amochée. On est en bord de carte ici, donc je pense qu'on va pas se faire attaquer dans le dos, donc c'est soit par là, soit par là. Donc on va faire venir Anna ici, on peut pas la soigner. Mox, tu vas venir ici. Oh là, il y a deux ombres là, je les avais pas vues. Elle nous a pas fait apparaître. Est-ce que je la laisse? Elle peut courir vachement loin, elle. On va recharger, la laisser en vigilance pour ce tour. Je dois recharger. Un faucheur est toujours vigilant. Je crois que c'est sa deuxième action, lui. Alors, il y a encore... encore Sid. Merci. En route vers la cible. On va le laisser en vigilance en position haute. Je passe en On va donc vigilance. En garder deux en... Trois avec... Ouais, lui, il faut qu'il recharge. We're going to go. Et on va laisser... Mox en vigilance. Putain, mais ça arrive de partout. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon. Peut-il bien encore y avoir ici? Advent envoie les équipes de purificateurs dans ces villes. 76%, c'est pas énorme. Pas du 100%. Elles se renforcent même. 91%. C'est pourquoi. Est-ce que je vois les bestioles? Non, il en reste une. Faut qu'on groupe. Je pense qu'il va de toute manière y avoir que des ombres.
cas, j'espère qu'ils vont apparaître. Mox. Mox, il peut regrouper bien. Combien il a en visée là? C'est presque à 100 là. Il y en a 2. C'est fait. Mox, il faut qu'il recharge. Rechargement. Et puis d'action. Je voudrais pas faire apparaître tant que j'ai pas regroupé. Pas par où il faut qu'on passe. Ouais, c'est le bâtiment là où il faut aller. Il n'y a pas le choix. C'est très bien de faire venir Dan là, mais je pense qu'il y a un risque. On va tenter. On est bon. On va laisser en vigilance. On va essayer de rapprocher tout le monde. On va bien garder un sniper. Il faudra qu'il bouge plus le sniper après. 73%. Ça se tente. J'ai pas vu qu'il y en avait un juste là. C'est vrai qu'on le tue. Alors Emery, il va rester en vigilance aussi. Rakanova, elle va essayer de rejoindre notre petite troupe. Si jamais là, elle pourra pas tirer. Ici, je crois pas non plus. Je me demande si j'ai pas venir la mettre là. Je couvre le terrain. Les sites, faut qu'ils se rapprochent. Vigilance là, il est protégé là. Ah, ils sont combien? Toi, tu vas manger, là. Good riddance. J'ai peur d'en libérer là. Sachant que je vais être prêt. Rakunova, elle voit quelque chose? 81%. 79. Faut qu'on avance en même temps qu'on. On les dégomme. Hein. On va faire avancer Dine. Il va presque trop loin parce qu'il faudrait qu'on revienne par là. Moving to position. Ah, il est à 100%. Enemies down. I'm running low on ammo. 37%, dis-moi que tu le tues. Merde, il a plus de balles.
Je me lance. Ça c'est bon. Il va rester en vigilance. Rücke zur Zielposition vor. Lui aussi. Los, zeigt euch. Elle va se déplacer. Et recharger. Couvrez-moi, je recharge. Anna Ice, elle va pour l'instant rester en vigilance. Et Sid va se rapprocher. Il lui reste pas mal de balles. Affirmative, je couvre la zone. Faut qu'on avance plus vite. Am Ziel vorbeigeschossen. Oh là 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 là, si tous les tirs sont ratés. Oh là 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 là. Faut absolument qu'on se casse. Je sais pas combien il y en a là, mais ça me paraît hallucinant. Cet endroit. Si tous vos congénères vous ressemblent, c'est bien possible. Bon, Dan, il doit recharger tout de même. Les gros pépins, là. Bon, Limox, fais-moi du nettoyage. Ça c'est fait. Et bien sûr. Oh putain, il n'y a plus de balles. Tu vas pouvoir recharger et encore avoir une action. Je pense que t'as plus que dalle. Ah putain. Elle voit rien. Elle voit rien. C'est super. On va mettre Dan en vigilance s'il y en a qui se pointent là. Je suis en route. Dans 18, dis-moi que tu touches. Cible liquidée. Faut voir le nombre là. Ça me paraît. Ça me paraît totalement dingue. Verstanden, bin unterwegs. Ça me paraît fou, ça me paraît fou. On peut pas tirer. Elle va pouvoir rester en vigilance, je pense. Je bouge. C'est mon tour d'être vigilante. Toi, il faut que tu recharges. Oh yeah. Il reste plus qu'un point de vie. Tirer. Je vais faire la vigilance. En plus, la vigilance, on tire qu'une fois. Bon débarras. Ça fait un peu trop qu'arrive par l'extérieur, parce que c'est là où je suis le plus vulnérable. J'ai Anna. Qui est très très blessée. Un coup, elle est morte. On a peut-être pas dû l'avancer. Ils louent tous leurs tirs, c'est 1 sur 2. Oh mais non, mais t'en as un qui est à 1 mètre de toi.
Zone pacified. Je détecte une nouvelle vague d'ombre près des coordonnées d'évacuation. Soyez très prudents. Elle semble avoir compris notre stratégie. Les anciens sont prêts à tout pour faire échouer cette alliance. Mais il leur faudra plus qu'une horde d'ombre pour y parvenir. Bon. On va utiliser Dan. Comme celui qui a les plus grosses stats. Hostile neutralized. Okay. No longer a threat. Draining ammo fast. Rich n'a plus de balles. Dan Malos. Et Mox à combien? 19. 96. Et 3 de dégâts. Okay. Sa lumière s'est éteinte. 91, il a toujours plus. Nous sommes triomphants. Mon arme manque de munitions. Ah, je vois, t'as bientôt plus de balles. Son service est terminé. Je dois recharger tout de suite à court de munitions. Donc, 87. 80. Moins 5. Avec la nouvelle à combien? 85, c'est encore Mox qui a les meilleures stats. Ok. On vient de faire un gros nettoyage. Faut avancer. On va envoyer quelqu'un en tête là. J'y vais tout de suite. On va essayer de grouper, de mettre le maximum de mecs en vigilance. Oui, il aura plus de vigilance. Bractan non plus. Ah, il n'y a pas le choix. On avance, on va laisser les deux snipers à l'arrière. Volk m'a demandé d'obéir. Je passe en vigilance. Orders confirmed. Moving out. Got a cover. Overwatch. Oh, dû recharger avec Dan. Faut que je recharge. Je pense que ça spawn sans arrêt en fait. Faut vraiment qu'on court. On se casse de là. En plus j'ai deux snipers, il faut tout à côté. L'oiseau de feu est en position, mais la zone d'évacuation est encore plus dangereuse que ce qu'on pensait. Le temps presse. Dites-lui de tenir le plus longtemps possible. On arrive. Ah, il y a un timer. J'ai tiré dans le vide. Oh putain, il l'a raté. Non mais comment tu peux rater ce coup, putain? It's killing time. Ah non. 61. Oula, juste sur, au-dessus de l'épaule de notre cher Sid. Alors, ça sert à rien de se protéger. Il y en a là, il y en a partout. Ils vont surgir sur la tronche au prochain tour. Il faut qu'on avance. Hein. Je bouge. Il n'y aura même pas assez de balles.
Ah, je vais être au contact. C'est la fin de son voyage. Mes chargeurs seront bientôt ici. La liberté. Recharge. Je dois recharger. Ah putain, il a plus d'action. Bestätigt. Allez, Mike. On va montrer que t'es un vrai soldat. Et tu rates. Bien joué. Je pense que vous allez vous faire défoncer la face. Ma vie est entre vos mains. Allez. Au-dessus de leur épaule. Bien joué. Et t'as plus de balles. C'est tout ce que méritent les extraterrestres. Donnez-moi une seconde. Personne n'a de balles. Après, tu vas venir en vigilance au pistolet. On sait jamais, ça pourrait bien nous sauver la peau. Overwatch. De façon, Fidep va rester coincé. Et on va le laisser en Overwatch aussi. Allez, Anna, compte sur toi. Ouf. Kill confirmed. Centrale, l'ampleur de la biomasse actuellement en route vers la position est phénoménale. Si nos hommes n'évacuent pas au plus vite... Croyez-moi, docteur, ils sont au courant. Putain, je peux pas. Ah là 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 là. Bon. On va former une sorte de cordon de sécurité là. Schon unterwegs. J'y vais. Heureusement que j'ai pas continué hier, j'aurais jamais eu le temps de faire cette mission. Mon troisième. Anna qui est très blessée. Je mettrais bien. Ah, il y a un objet. On va te déplacer après pour faire une sorte de cordon autour de toi. Double time. Avec trois tirs de vigilance. J'espère que ça va pas arriver trop massivement. C'est tout bon. Allez, Anna qui traîne la patte là. Allez, tous les autres en vigilance. Bien joué, bien joué. On est sur les premières missions, j'imagine même pas combien ils vont nous en envoyer. À peine à côté. Dan, t'es où? Je te fais confiance pour nettoyer la zone d'atterrissage. Closing on target position now. Et du nettoyage. Taken care of. Vide ton chargeur, je suis sûr que tu vas te faire plaisir. Target down. Weapons burning out fast. Ouais. Enemy destroyed. Putain, le Ranger, il fait un carton contre eux. I'm all out. Allez, on se casse. On se casse. Je confirme. On close gates. Je vais où vous voulez. Moving to designated coordinates.
La nuit entière sera bientôt sur nous. Nous ne tiendrons plus cette position très longtemps. Éclaireur au talion, comment on fait pour partir d'ici? Je pourrais pas descendre plus bas. Allez! Je n'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Ah bah ils ont l'air d'être devenus copains. Oula. Bon, bah le mox il a disparu. Bon, on a le mercure qui revient au talion. On s'en est sorti. Bon, je pense que c'était une sorte de mission tutoriel. Les factions de la résistance est une excellente occasion d'étudier leurs divers moyens de survie à long terme. Ah, c'est vrai que Dan s'est pris une blessure légère, j'avais zappé. Tout le monde est bien crevé. J'ai pas trop d'autres soldats. J'ai 15 autres soldats qui ont une promotion. On va bien. On a bien morflé. Hein. Alors, on a. Les attaques de votre arme détruisent les armures. Où votre équipement inclut un rembourrage supplémentaire et des plaques de protection qui confèrent un point d'armure supplémentaire et réduisent les dégâts subis par les explosions de 66%. Fatigué 12 jours, oh là, j'ai plus personne pour des missions là. Les attaques de votre arme détruisent les armures. C'est pas mal ça, mais rembourrage aussi. Hein. Des plaques de protection confèrent un point d'armure supplémentaire et réduisent les dégâts subis par les explosions de 66%. On va prendre perforateur. Ok. Ah, je peux pas le modifier. Bon, je vais continuer comme ça, je leur ferai leur promotion après. Je voulais changer 2-3 choses en leur nom. On va le passer à. On va mettre son nom à Emmerich, on lui donne un prénom plutôt. Comme ça, on le reconnaîtra mieux. On a des frères d'armes. On verra ça après. Entre Dan Kane et Anne Ice ou Dracunova. Ok. On va déjà rentrer. Je pense que je ferai des promotions hors caméra. Alors, récompense 96 et on a récupéré un scientifique. Ok. Si vous voulez me mystifier, il va falloir faire mieux. Notre nouveau prisonnier est le prix de votre échec. Falme Wagner a capturé notre agent Pratalmox au cours de cette mission. Une prochaine mission secrète nous permettra peut-être de découvrir son lieu de détention. Ok. Nous avions des soupçons, mais nous n'avions pas encore les ressources pour enquêter sur des bases secrètes éventuelles d'Advent construites en dehors des centres urbains. Alors ça nous fait combien de scientifiques pour leur site secret? Je m'inquiète de ce que nous allons y trouver. Allez savoir ce qu'ils fabriquent là-bas. Les factions de résistants nous aideront à localiser le prisonnier si nous lançons une mission secrète avec eux. Nous avons choisi une manière différente de résister. Mais nos peuples se battent pour la même cause, pour le monde que nous connaissions. Ensemble, nous mettrons fin à l'occupation, ou nous mourrons. Ok, donc il nous reste 12 jours. On a combien de scientifiques ? Je crois que c'était là qu'on voyait les scientifiques. Voilà. On a donc deux scientifiques maintenant, ce qui devrait avoir accéléré.
Un qui fait des pompes. Est-ce qu'il devrait sérieusement accélérer les recherches? Oui, il reste plus 15 jours. C'est plutôt pas mal. Deux ingénieurs, ça aurait été bien aussi. Armurerie, qu'est-ce qu'on veut à l'armurerie? Voir photo. Non, mais ça, c'est nos deux photos. Ok. I don't know. Et liste des soldats. Alors, on a Emery qu'on a. On va donc le basculer en courte. Emmerich, comme ça on le reconnaîtra mieux. Il a la classe, il est crevé. C'est normal, il vient de faire deux grosses missions. Ça veut dire que si on l'utilise... Blessé, on a des blessés 6 jours. On a Anaïs 22 jours. Bah alors là, on n'est pas près de la revoir. Elle a même pas eu de promotion, la pauvre. On a Duncan qui a une promotion et Lena Dracunova. Okay. Ça veut dire qu'ils sont déjà caporal. Yacid qui a une promotion aussi. On fait du bon boulot. Alors, Sid, je voulais lui changer. Son prénom. Ça fera plus cool comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est la vraie écriture de Sid. De Sid Barrett de Pink Floyd. Alors, promouvoir le soldat. Alors, on l'avait pas mal mis en combat. Envoie le Gremlins vers un allié pour dissiper n'importe quel effet psychique négatif, qu'il soit désorienté, étourdi, paniqué ou inconscient. Ok. Vous pouvez tenter de pirater des unités ennemies robotisées et mécanisées avec votre Gremlins pour prendre le contrôle. Ça peut être sympa, ça. Ok. Piratage, il a combien? Piratage, il a 60. Doué. Construisez un centre d'entraînement pour dépenser vos points de capacité. Ça, il va falloir qu'on construise en urgence. Frère d'armes, Kurt Emmerich. Classe. Sid Joker. Ah, on va pouvoir leur donner des petits surnoms. Ah, c'est le premier qui obtient... Ah oui, il est quoi? Il est sergent? C'est notre premier sergent? Joker. Ouais, pourquoi pas. Ou alors on fait un petit clin d'œil à Darkest Dungeon, dans la plante bouffon. À voir, Joker, c'est pas si mal. Dan Kane. Qui est bien blessé. Alors, fine lame. Toutes les attaques avec votre sable infligent 2 points de dégâts et leur visée augmente de 10. Si l'escouade est repérée, ce dard reste dissimulé. Ça, c'est énorme, fantôme. Bon, même si, avec les faucheurs, ça peut peut-être avoir moins d'utilité. Ça permet quand même d'aller pouvoir explorer la zone. Avec lui, reste planqué et puisse faire une approche. Quand même énorme. Que fine lame, enfin, fine lame, ça peut être utile aussi. Hein. Alors ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien attribué Finn là, mais j'ai pas d'autres rangers pour l'instant. Et Phantom, c'est quand même super pratique. Alors ça veut dire que mes deux rangers vont avoir Phantom, ou mes trois rangers. Si l'escouade est repérée, ce soldat reste dissimulé. Ça veut dire qu'il peut venir se positionner et faire quand même des belles embuscades. Toutes les attaques avec votre sable infligent plus de dégâts et leur visée augmente de 10. On va prendre ça pour le premier ranger et pour le deuxième ranger on prendra fantôme. Comme on a Dracunova, ça change quand même un petit peu les choses. Bon, il est blessé. De toute façon, j'ai des bons soldats, là, parce que c'est... Donc, j'ai que lui, qui est sniper. J'ai quasiment trop de tireurs d'élite. J'en ai 3, là, maintenant. Il va me falloir absolument du spécialiste ranger. Ça va être une absolue nécessité.
Alors on va aller voir cette nouvelle classe. Alors les classes Elena Dragunova et Mox, on va leur laisser leur nom. Doué. Visée 75. Là combien par rapport à... Dans le sens. Quand même des bonnes visées maintenant. 74, 71, 79 pour elle. C'est Kurt Emmerich qui vise le plus mal. Hiroki à 75. Par rapport aux soldats de base qui ont tous moins de 70. Elena Dracunova, petit éclaireur. Promouvoir. Les factions de la résistance sont plus flexibles que nous en matière d'entraînement. Plusieurs capacités s'offrent à leurs soldats avec chaque promotion. Ils s'adapteront en fonction de vos choix, commandant. Ok, donc là on a le mode furtif et saboteur. Là on peut pas voir. Déclenchement distance. Fait exploser un explosif environnemental qui inflige le double de dégâts habituels dans un rayon deux fois plus étendu. Le faucheur n'est pas repéré. Alors que là, c'est lance un explosif environnemental qui peut être pris pour cible. Le faucheur rétissimule en tirant sur la clé mort ou après son activation. D'accord, donc ça change rien, sauf que là, on augmente la portée de dégâts. Et on peut le faire exploser sans doute sans risquer de louper le tir. Tireur d'élite. Les tirs infligent un point de dégâts de plus si la cible a été blessée pendant le même tour. J'hésite. Alors, je pense qu'on aura plusieurs faucheurs. Ça peut être pas mal d'en avoir un de chaque. Là, je trouve ça presque plus limitatif que ça. Déclenchement à distance. Si les explosifs sont costauds, ça peut être violent à faire exploser. Fait exploser un explosif environnemental qui inflige le double de dégâts. Alors, le problème, c'est que si on a nos troupes, ça marche vraiment pour des embuscades. Si on a nos troupes, mais avec obscurité, elle peut aller déposer des explosifs. Obscurité. Entre dans l'obscurité, une technique de dissimulation avancée avec laquelle il ne sera repéré qu'en effectuant les actions. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans les zones rouges. On peut poser une clé mort, se replier. Il sera repéré qu'en effectuant les actions. C'est-à-dire que s'il se déplace sur une case rouge, on le voit pas. Je vais prendre ça. Commandant. Chacun de nos soldats est évalué selon sa compréhension de nos tactiques et ses capacités, sa connaissance du combat. Grâce à l'expérience acquise sur le terrain, nos soldats des factions de la résistance accéderont à de nouvelles capacités en fonction de cette connaissance du combat. Ok. Ah ça c'est le nombre de cadavres, c'est ça? Pourquoi il me demande d'aller voir les photos? Ah, j'en ai une nouvelle. Promotion. C'est marrant. Je n'en veux pas à Shen de vouloir surveiller Taigan. Mais dans notre situation, toute aide est la bienvenue. Ah là, comment il se la pète. Je sais plus où on a notre inventaire de matos. Peut-être à l'armerie. Non, c'est pas là. Ça va être à l'ingénierie. 61, 2, 8, 2. 61, on a tué 60. Ah non, ça c'est le. Ah oui, c'est le. C'est le tableau de chasse en fait. On a tué 2 sectoïdes, 8 soldats, 2 commandants là, 2 mecs en lance-lame et 61. On a tué 61 ombres durant la mission. C'est un truc de dingue. Je n'attends que votre ordre pour commencer, commandant. Fabrication d'objets. On a le flash, fumigène. Je reconstruirais bien une flash. 35 ressources, on va éviter pour l'instant quand même de consommer trop de ressources. Par contre, où est-ce qu'on... Comment je... Ah oui, il faut que je les recherche un par un, les...
Où est-ce que je construis les trucs du DLC? On va voir l'inventaire. Ici, ça, c'est beaucoup plus faible en inventaire. Ah, on a un SPC, bah oui, qu'on n'a pas utilisé. C'est le premier qu'on a récupéré. Ok. Je me demande si c'était comme ça aussi autrefois. Toujours sur la brèche, prêt à partir au combat à chaque instant. Bon, deux scientifiques, c'est quand même pas mal. Ingénieur disponible. Le travail avance bien. Comment ça? J'ai pas attribué l'ingénieur? Oh là, le con. Ok. Ah oui, on va gagner pas mal de temps. Bon, j'espère qu'on va pas avoir une mission tout de suite, le temps de pouvoir reconstruire des choses. Ah, une nouvelle cinématique. Commandant, nous venons de prendre contact avec une faction de la Résistance, les Faucheurs. Ils sont très discrets, mais voici leur QG. Nous pouvons scanner la zone pour récolter les fruits de notre collaboration. C'est donc vous, ce fameux commandant. Dragunova m'a dit le plus grand bien de vous, ainsi que de votre équipe. Ce qui est assez rare. Vous êtes les bienvenus. J'avais quelques inquiétudes quant à cette alliance, mais j'ai cru comprendre que cet escarmoucheur, Mox, avait été fait prisonnier alors qu'il protégeait l'un des miens. Les faucheurs n'oublient rien, commandant. Nous tiendrons parole. Terminé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer d'avancer un peu parce qu'il fait déjà une heure de vidéo.
Faction de la résistance localisée. Faucheur, abatteur des calamités, nouveaux ordres de faction reçus. Centre de recrutement, attaque éclair. Mission secrète disponible au cercle. Traque de l'élu assassin, partie 1. Sauver le soldat deuxième classe Bractal Mox, lié des frères d'armes. Okay. Votre ténacité provoquera votre perte, commandant. Si vous venez pour m'affronter, j'espère que vous serez à la hauteur de mon talent. Ok, donc tout ce qui va être dans le Canada, on risque de tomber sur la gonzesse là. C'est quoi ça? Voir information sur les élus en cours. Nous devons bien examiner les élus, commandant. Ils semblent avoir des compétences de combat différentes dont il faut nous méfier. Sorcière du chaos. Donc c'est le premier élu. Info découverte, ok. Statut de la traque. Soldat interrogé, soldat capturé, rencontre. D'accord, donc on revoit les... Ok. C'est plutôt bien foutu. Un soldat de scientifique, là on a des recrues. Là on a des ressources. D'accord, là c'est pour prendre contact, j'imagine. Là c'est pour obtenir des renseignements. Alors, il est où le... Ah, il est là. Donc ça c'est la mission du site secret. Ça c'est des ressources, ça c'est recrues. Là c'est le QG des faucheurs, on peut récupérer du renseignement. On va essayer d'aller au dépôt récupérer des ressources. Calcul du nouveau cap du Talion. Donc les faucheurs doivent être québécois. Il aurait fallu leur mettre l'accent québécois. Voilà, nouvelle recherche terminée. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pic. Nous faisons des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté, des fantômes en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique. Des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Nouvel objectif ajouté. Ok, donc il faut qu'on termine l'autopsie d'un officier Advent. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Donc ils ont extrait l'implant de notre cerveau. Ok. Donc on a un nouveau bâtiment à l'infirmerie, on peut faire deux autopsies. Un ingénieur peut être affecté à l'infirmerie pour réduire le temps de guérison de nos soldats. Des soldats peuvent également y être envoyés pour se débarrasser des caractéristiques négatives développées au combat. Le module d'hypervitalité permet de suspendre temporairement la santé d'un soldat le temps d'une seule mission de combat. Bon, pas ce que ça veut dire. Permet de suspendre temporairement la santé d'un soldat le temps d'une seule mission de combat. Ok. Nos travaux nous ont permis de faire une découverte. Nous devons immédiatement commencer le projet de recherche pistolet amélioré. Toutefois, si nous voulons suivre cette voie, 5 jours. Nous devons le faire immédiatement. Moi, j'aurais voulu lancer communication et armes magnétiques. Bon, on a gagné pas mal de temps sur les armes magnétiques. On va chercher ça. Je vais en faire notre priorité. Je dois reconnaître qu'après avoir réussi à opérer le commandant pour lui extraire son implant,
Je me demande bien ce que donnerait l'examen d'un autre sujet. On va faire ça. Ressources stratégiques localisées. Ok. Qui pose des ressources. Mais c'est pas une ressource qu'on... C'est pas un secteur dont on dispose. Pose des revenus de la région. Ouais. Vos forces dérisoires n'avaient aucune chance de vaincre une guerrière de mon talent. Je sais pas trop où on voit les... Les missions secrètes. Faut peut-être construire quelque chose. Ils nous ont parlé de missions spéciales. Je vois pas où je les vois. Là on peut gagner des renseignements, on a 136, je sais pas si ça vaut le coup. Des recrues. Il y a des nouveaux bâtiments. Commandant, maintenant que les membres des factions de résistants nous ont rejoints sur le Talion, je pense que vous aurez besoin d'un lieu pour organiser et préparer nos futures opérations. On va peut-être le construire là, hein, mais je vais pas avoir assez d'énergie. Hein. Terre de la résistance 3 et le centre d'entraînement 3. Le problème, c'est que... L'Institut de Guerilla, il va déjà me consommer de l'énergie aussi. Alors est-ce qu'on va... Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Ah, attendez, j'ai oublié d'aller voir combien j'avais de soldats en stock. Je crois que j'en ai pas mal. Je sais pas si je vais courir après les recrues. On a quand même pas mal de monde à personnaliser. Hein. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour l'instant. Alors, on peut avoir des morts, hein, c'est sûr. Et on va en avoir... On va y chercher du renseignement. Conscription de l'Est des États-Unis. Il n'y a pas de timer, je sais pas comment ça marche. Je me souviens les plus. Les résultats de notre découverte sont fascinants. Ok, donc on peut déjà assigner une nouvelle recherche, c'est plutôt pas mal. Bon, en vrai, parce que j'avais 5 jours de recherche et au final, on a mis beaucoup plus. Matériaux hybrides. Donc on a débloqué cette recherche alors qu'on l'a pas cherché. Notre équipe scientifique a une inspiration en lien avec le projet Matériaux hybrides. Si nous commençons les recherches maintenant, les résultats devraient arriver plus vite que d'habitude. Inspiration en un jour. Ben, on va pas du tout hésiter. Nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Alors je sais pas comment marche le renseignement. J'ai pas gagné de renseignements pour l'instant. Les renseignements obtenus augmentent. L'Institut de Guérilla est opérationnel. Ok. Donc on va pouvoir former les soldats. Je sais pas comment est-ce que je construis. C'est bon, il nous reste. On peut construire... Et le centre de la résistance. Et le centre d'entraînement. Il nous manque des ressources par contre. Alors, c'est vraiment dommage parce que je... Ouais.
Si je construis... Alors l'infirmerie, elle permet peut-être de bénéficier de... Ressources 33, alliage extraterrestre 6, ressources 21. Sauf que là, on doit mettre plus de temps. On va déjà creuser. Ça m'embête. L'infirmerie, je pense qu'elle peut bénéficier des drones. Je sais plus. Mais si je la construis... Je sais plus si l'infirmerie peut bénéficier des drones. Il faudrait mettre infirmerie et énergie. Ou infirmerie et énergie. De manière, ça veut dire que le centre de la résistance, il va très bas et ça va pas aller. Là, on va mettre le centre de commandement, c'est ça. Hein. Le centre d'entraînement pour débloquer de nouvelles capacités, c'est important. Ça veut dire que j'aurais perdu des jours parce que j'aurais pu construire directement l'Institut de guérilla. Bon, on va déjà former un soldat dans l'Institut de guérilla. On va aller voir la liste pour sélectionner un soldat qui a les meilleures caractéristiques. 65-35, standard. 75-50. Oui, donc ça c'est Hiroshi. 65-37, 65-38, 65-45 supérieur. Ont beau être plus pas supérieur, si supérieur est. Je pense que nos hommes ne devraient quand même pas avoir de mal à nous ramener un sujet pour que Taigan l'examine. Alors Gonzalez, c'est pour l'instant ce, meilleur. Même s'il n'est plus en vie. Plus rien ne m'étonne maintenant. Mais je dois admettre que je suis curieux de voir Lucas si Schneider, c'est le meilleur. Est proche de ce qu'Advent utilise pour ses capitaines. Je pense que supérieur est plus fort que doué. Donc on va former Hector Gonzalez. Oui. Spécialise Ranger ou Grenadier, finalement peu importe. Peu importe. On va se faire un deuxième grenadier. Taille de l'escouade plus 1. Ouais, ça, on acquiert tout de suite. Ok. Donc, il nous reste 80 de ressources. Il déjà va pas mal limiter les possibilités. 5 jours. De toute manière, on pourra construire que le truc qui a 80 de ressources soit le centre de la résistance.
Donc je pense qu'on va finir déblayer console sans de la résistance. Ouais, mais de toute manière, si je le mets là, ouais, non, ça sert à rien. Autant le mettre là. Hein. Ça m'embête, mais autant le construire dès maintenant. 12 jours. Et je mettrai le centre d'entraînement de l'autre côté. Et j'aurais perdu une zone où on aurait pu mettre un atelier. Les ingénieurs peuvent saisir nos ateliers et créer des drones gremlins qui peuvent être envoyés dans les salles ou installations adjacentes. Le problème, c'est que je crois qu'on peut pas aller en diagonale. Alors je me demande si ça permet pas. Si quand on a le biseau là, ça permet pas d'aller là quand même. J'ai un doute. C'est-à-dire qu'on pourra pas aller sur cette salle-là ou cette salle-là. Mais on pourra faire cette salle, cette salle, cette salle, cette salle et cette salle. Avec les drones. Je crois. J'ai un petit doute hein, quand même. Donc on perdra une salle, deux salles même. Avec les drones. On n'aura plus que une, deux, trois. On bénéficiera plus que les drones sur trois salles. De toute façon, je vois pas trop comment, à part à attendre. Alors je pense que c'est important ça. Là, on va récupérer des missions bonus. Et là, on va récupérer des capacités. Ensuite, on pourrait construire l'infirmerie et le centre de... une énergie et l'infirmerie. C'est pas si mal. Et mettre l'atelier, là. Bon. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, hop. 12 jours. On va peut-être aller faire ça, même si on a fait un peu de renseignements, mais bon, ça n'a pas joué beaucoup. Hausse des revenus de la région. Le problème, c'est que pour l'instant, alors est-ce que ça va jouer? J'en sais rien. Je sais pas si ça va jouer alors qu'elle n'est pas contactée. XCOM pourra enquêter sur place. On va scanner. Notre équipe est efficace quand elle est inspirée. En recherche, on n'est pas mauvais. Hein. Donc, on a les gilets nanométriques. Et on peut débloquer l'armure blindée maintenant. Alors, on va pas faire l'autopsie, mais ça met que 3 jours. On va débloquer les communications et ensuite on rush sur les armes magnétiques. Je sais que c'est très important, commandant. Alors, au niveau des gilets. Il me reste 15 de ressources, on peut plus rien. Fabrication d'objets, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Donc, problème est réglé. C'est la seule chose qui lui restait pour faire décoller ce vaisseau. Donc on va voir ce que ça fait ça, mais je le sens pas bien. Ok, donc on a récupéré de l'approvisionnement. Pour vous, commandant. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois, commandant. J'espère que vos efforts seront à l'origine. Une attaque brutale contre la raison. Genre... Les élus sont difficiles à infiltrer. Mais nous avons des informations sur leurs dernières actions. Et nous avons reçu l'avancement sur les activités des extraterrestres. Nous avons déjà commencé les préparatifs pour mettre fin à ces opérations. Des contre-interventions seront bientôt disponibles. Les renseignements suggèrent que les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre un terme au projet Avatar. Nous pouvons mener des opérations de guérilla pour perturber l'un d'entre eux. Mais nous devrons choisir avec soin. Commandant, tous les mois, vous pouvez assigner des ordres aux factions de la résistance pour permettre à XCOM de recevoir des bonus. Plus XCOM aura d'influence auprès des factions, plus vous débloquerez d'ordres différents, et plus les factions pourront en utiliser chaque mois. Nouvel ordre de la résistance reçu. La mobilité des unités augmente de 3 pendant les deux premiers tours du combat tant que l'escouade reste cachée. Oui. Les ordres de la résistance sont de puissantes capacités stratégiques exclusives à chaque faction et peuvent être activés tous les mois. Oui. Centre de recrutement. Une nouvelle recrue ne coûte que 15 ressources. Les ordres de la résistance sont de puissantes capacités stratégiques exclusives à chaque. Je peux faire que valider. Ok. Ah d'accord, je choisis en fait.
Renforcez votre influence au cercle. Alors les nouvelles recrues, je sais plus. Ok, ça change rien. Je sais plus comment ça marche au niveau du recrutement. Là, je pense pas que ça soit la formation. Centre de recrutement. Nouvelles recrues. J'en ai des nouvelles recrues. C'est pas leur formation, je pense pas. On va prendre ça. Mais on a les deux en fait. Je sais pas trop comment ça marche là. Commandant, nous pouvons assigner. Assigner ordre. Ah d'accord. Ok, il faut faire ça. Ok. Et ça, on peut faire ça? Ah non, d'accord, je peux pas. Donc. Nos soldats vont devoir travailler avec les factions de la Résistance pour mener à bien ces opérations secrètes. Ils seront absents quelques jours, mais nous développerons notre influence sur la Résistance tout en offrant un certain soutien matériel. Mission secrète. Derrière les ennemis, ces élus... Les élus que les anciens ont envoyés à nos trousses sont des gens genre coriaces. D'après ce que j'ai entendu, vous êtes désormais leur cible prioritaire et ils feront tout leur possible pour localiser votre vaisseau. Leur assassin nous a posé pas mal de problèmes récemment. Je pense donc que nous devrions mobiliser nos ressources pour trouver son repère. Nous devons nous attendre à une certaine résistance. J'espère que vos hommes sont prêts. Influence faction augmentée. Donc ça, c'est sur la traque. Gagner des ordres de la résistance et missions secrètes supplémentaires. Soldats. Requis, il nous faut un sergent. Récompense de soldats. Piratage plus 3. Ok. Là, c'est pour localiser et il obtient une promotion. Ça pourrait être sympa d'aller sauver... Cette opération. Alors ça c'est pas mal pour Sylvain Beck. Du terrain, commandant. On a qu'un sergent, je sais pas si on peut le perdre. Parfait pour diriger nos hommes. On peut envoyer deux soldats ou un soldat. On va enlever 8. Et on peut en rajouter un deuxième. Débloquer une mission pour sauver le soldat capturé. On peut en mettre deux, donc. Bon. Comment ça marche? On fera le travail, pas de soucis, commandant. Commandant! La Résistance dispose d'une cage de ressources à l'abri d'Advent. Mais cela va nous obliger à survoler et scanner la zone si nous voulons nous en emparer. 3 jours, c'est le nombre où c'est disponible. Commandant, une escouade est prête à rejoindre le refuge de la Résistance assiégé par les extraterrestres. Vous n'avez qu'un mot à dire. Notre prochaine opération nous conduira au cœur du territoire de l'élu, commandant. La créature risque fort d'interférer. Nous devrions donc nous organiser en conséquence. D'accord, on a une mission de représailles, on va s'arrêter là. D'accord, un refuge de résistance, nous devons aider les combattants. Ok, donc on va y aller. On va finir ça et aller chercher le ravitaillement. Ou chercher le ravitaillement même. Juste après la faction de la résistance. On va faire ça. Donc une longue vidéo encore, mais là j'avais pas eu le choix, j'ai plein de cinématiques.
Donc on va aller sur le site, je pense qu'on pourra annuler après. Ça veut dire qu'on risque de tomber sur sur l'élu. Ok. On va s'arrêter là, ça a déjà été assez long. Je vous remercie à tous, à la prochaine pour une autre vidéo sur le jeu. Au revoir à tous.